Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur Sobonne. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Aujourd'hui, nous allons découvrir beaucoup de choses, des témoignages hors du commun. Écoutez, une sorcière voulait le piéger par la nourriture, mais comment ça s'est passé? Écoutons son témoignage qui s'est déroulé en Allemagne. Mon histoire s'est déroulée ici en Allemagne, ça fait un an maintenant. Vu que je suis célibataire, je donne souvent 10 euros, même 20 euros aux dames africaines pour cuisiner pour moi. Est-ce que tu vois? Dans ma région où je suis, parce qu'il y a beaucoup de femmes célibataires là que je connais. Donc une fois, je donne 20 euros à une dame là pour qu'elle cuisine pour moi. Elle a cuisiné. Pourtant, je suis le gars, je suis très très croyant, j'ai pris toujours avant de manger pour faire quoi que ce soit, si tu vois. Donc, elle a cuisiné, elle a envoyé, j'ai mangé sans problème. Une semaine après, la dame m'appelle, elle dit: Ah, Abraham, j'ai besoin de 2000, excuse-moi, non. Elle dit: Ibrahim, j'ai besoin de 2000 euros crédit. J'ai dit: Ah, 2000 euros? J'ai dit: Mais où tu veux que je te donne 2000 euros? Pourtant, c'était le bonjour, bonsoir qui était entre nous, tu vois. Je lui ai dit, j'ai compris, je vais réfléchir. Donc, je vais encore chez un autre ami, je lui explique. Il dit: Ah, voilà, j'ai donné de l'argent à la dame, elle a cuisiné pour moi. Après, elle me demande si je peux lui donner 2000 euros. Le gars me demande: Tu as donné? Il dit: Non, je n'ai pas donné. Il dit: Ah, Dieu est avec toi. Il dit: Mais pourquoi? Que cette dame-là, elle a des trucs qu'elle met dans la nourriture. Quand tu manges et elle te dit: Donne-moi ça, là, cette somme. Si tu refuses, tu meurs. Ou bien un malheur t'arrive. Il dit: Ah, c'est où moi je suis quitté. Donc le gars m'a dit: Il ne faut pas que je vais donner l'argent, de rester toujours en prière. Donc depuis ce temps, je me suis méfié d'abord de la dame. Et puis je n'ai plus donné même l'argent à quelqu'un pour préparer pour moi. Moi-même, je cuisine, je mange. T'as dit ça? Lui-même il cuisine et il mange maintenant. En tout cas, moi, j'aimerais vous dire ceci. La nourriture, la voie de la nourriture, c'est une voie terrible que les ennemis utilisent pour pouvoir vous atteindre. Si vous ne le savez pas, moi, je vais vous le dire. Les sorciers peuvent vous affaiblir spirituellement juste au travers d'une nourriture envoûtée, une nourriture ensorcelée. Ça veut dire que vous ne devez pas manger n'importe où et manger sans prier. Avant de prier, vous devez faire votre prière. Avant de manger, vous devez faire votre prière. Votre prière. Vous pouvez dire seulement: Seigneur, détruis tout ce qui est mauvais dans cette nourriture. Amen. Juste cette prière va vous sauver la vie. Parce que oui, il y a beaucoup de dangers dehors. Waouh! La moralité, c'est que ceux qui sont à l'aventure là, et puis ils vont chez tout le monde pour manger ou bien donner l'argent à quelqu'un pour préparer là, ils n'ont qu'à arrêter quoi. Tu vas acheter ta nourriture dehors ou bien tu prépares à la maison, parce que tout ce qu'on t'envoie, tu sais pas ce qu'il y a dedans. C'est un peu le conseil qui est là. Merci beaucoup. Voilà, là vous avez bien compris. Bien, nous allons écouter encore notre témoignage, c'est parti. Alors, je raconte l'histoire que j'ai vécue. Moi, j'habite en France, dans l'ouest, à 1h30 de Paris. Donc, l'ouest vers la mer. Et du coup, il y avait la veillée d'un papa qui vient de mon pays aussi, un papa que j'aimais bien, qui est décédé dans ma ville où j'habite, hein. Donc, on est parti à la veillée. Entre-temps, j'avais mon grand frère qui avait eu un accident et qui était en convalescence. Il était chez moi. Hein, il a été évacué de l'Afrique en France après la sortie, après son opération. Il était chez moi. Donc, du coup, beaucoup de gens venaient le voir, lui rendre visite chez moi. Bon, ça ne me dérangeait pas. Ce jour-là, la veille, on est parti à la veillée. On est rentré très tôt parce qu'il était encore fragile. Hein. Et le lendemain, il y avait la levée de corps. Les levées de corps en France, ça se passe comment? Enfin, le corps avant qu'il parte en Afrique, hein, tout le monde en prie, en pleure, on expose le corps et tout. Mais c'était à Paris, pour éviter les bouchons et la distance, voilà. Je me suis levée tôt
On est parti, mon frère et moi. On est passé par la famille de. On est parti d'abord au domicile du papa qui est décédé, parce qu'il y avait peut-être des gens à prendre. Moi, j'étais que mon frère et moi dans ma voiture. Donc, j'avais 3 places derrière. J'ai pris 2 dames avec moi et on est arrivé à Paris tôt. On s'est garé, trouvé la place. Déjà, c'est compliqué dans Paris, mais là, on avait trouvé la place vu qu'on était en avance. La levée de corps s'est bien passée. En général, quand il y a les veillées comme ça, les levées de corps, les gens quittent de loin pour venir dire au revoir aux défunts. Et après la levée de corps, quand le corps part, on se retrouve dans une salle pour une petite collation parce que les gens viennent de loin. Alors, des fois, vous avez faim et tout ça. Mais cette fois, les enfants n'avaient pas organisé ça, mais c'était pas grave. Du coup, j'avais retrouvé les gens, des amis de mon quartier au pays. On est parti, on est parti au McDonald's, on a mangé, on est resté un peu, voilà. Donc j'ai repris la route à 16h pour revenir chez moi, sachant qu'il y en a pour 1h30, j'ai mis 2h30 parce qu'il y a les bouchons. Et mon grand frère est resté à Paris chez ses amis. Donc comme c'était un vendredi, il passait le week-end là-bas. Donc moi je suis rentrée tranquillement. En principe, je devais être très fatiguée, il faisait chaud. Mais c'est bizarre, quand je suis arrivée chez moi, je n'étais pas du tout fatiguée. Je me suis lavée. À un moment, j'ai senti une forte envie de prier. Mais vraiment, j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne suis pas fatiguée. Bon, je vais aller prier. Tellement mon cœur me poussait à aller prier. Moi, je suis fainéante, hein, en général. Du coup, je suis venue dans ma chambre. Il n'y avait personne. Mon fils n'était pas là. J'étais toute seule dans mon appartement. Je suis restée. J'ai prié et j'ai invoqué le feu. J'ai invoqué que le Saint-Esprit envoie le feu dans ma maison et des trucs comme ça, là. Hein, dans ce sens-là. 22h30, on sonne chez moi. Je sais, c'est qui ça? J'attends personne. C'est un cousin à moi que je vais nommer John. Ah, mais est-ce que ton frère est là et tout? Mais je voulais passer, rester un peu avec lui. J'ai dit non, il est resté à Paris. Oh, mais pourquoi vous ne m'avez pas attendu à Paris? J'ai dit, mais je ne savais pas que tu voulais venir ici. Ah non, mais tu peux m'ouvrir. Donc là, il n'y a plus de train, je vais dormir chez toi. C'est mon cousin Germain. J'ouvre, il monte. Dès que j'ouvre la porte de la maison, il fait un pas, il s'arrête net, il me dit, oui, faut savoir que je n'ai pas peur de ton Dieu. J'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Ah non, j'ai pas peur de ton Dieu. Hein. J'ai dit, mais pourquoi tu me racontes ça? J'ai pas tité. Il est rentré parce qu'il parle beaucoup. Je me suis dit, bon, je m'en fous de ce qu'il peut dire. Il est rentré. Je lui ai demandé s'il avait faim. Oui, j'ai servi, j'ai mis à manger et je me suis assise au canapé. Mais depuis qu'il était rentré dans ma maison, il s'est pas assis. Il était debout, debout, debout. C'est comme s'il avait trop chaud, c'est comme s'il avait mangé du piment. Il était incapable de s'asseoir pour manger. Il prend un morceau, il se lève. Je dis, mais tu me donnes le tournis, assieds-toi, qu'est-ce qui se passe? Ah non, j'ai dit, t'as mangé le piment ou t'as chaud? Ah, non, non, c'est rien. Il va au balcon, il revient, il ouvre le frigo, il prend les glaçons. Je dis, mais attends, tu me donnes le tournis, allez, ah, bonne nuit. J'ai mis un matelas, je dis, moi, je vais dormir. Je rentre dormir. Vers 3h du matin, je sais pas, j'ai senti un vent dans ma maison. Moi, je connais ma maison, je connais je sais pas si tout le monde est comme ça, mais les bruits qu'il y a dans ma maison, les bruits que, voilà. Mais j'ai senti un vide, un vent. Je me lève, je vais faire pipi. Puis je vais vers la cuisine pour prendre un verre d'eau. Je vois que ma porte d'entrée est ouverte, grandement ouverte. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais là où j'avais mis mon cousin dormir, j'avais mis le matelas. Personne. Au balcon, personne. J'ai dit peut-être qu'il est parti fumer. Personne. Ma porte d'entrée, quand tu ouvres pour aller dans les escaliers, la lumière s'allume automatiquement. Il n'y avait pas de lumière. Qu'est-ce qui se passe? Je vais dans toutes les chambres. Mon fils, je vois qu'il dormait. Mon frère n'était pas là, donc la chambre était vide. Personne. J'ai dit, mais je l'appelle. John, John, t'es où? Personne. J'ai dit, mais c'est bizarre quand même. Je vais au balcon, je regarde en bas. J'ai dit peut-être qu'il est parti prendre un peu d'air ou je sais pas quoi, comme il était bizarre. Personne. Oh, c'est bizarre. Je ferme ma porte à clé. En fait, il s'est enfui. Le fait que j'avais invoqué le Saint-Esprit, le feu, c'est ça qu'il a senti. Et il s'est enfui de chez moi à 3h du matin. Quand j'ai regardé la montre, il était 3h56. Il s'est enfui. J'ai dit, mais donc, quand on invoque le feu, quand on invoque le Saint-Esprit comme ça marche. Et je ne sais pas pourquoi j'avais eu cette envie de prier. C'est rare que ça m'arrive. Moi, je suis fainéante. Hein.
C'est rare que j'ai une envie, forte envie de prier comme ça. Il était peut-être venu faire quelque chose. Depuis ce jour-là, il n'a plus jamais remis les pieds chez moi. Donc, c'est pour ça que je voulais dire, la moralité dans l'histoire, c'est que tout ce que nous demandons à Dieu, tout ce que, avec foi, et ça se fait. Parce que la façon dont le monsieur était, c'est comme s'il avait mangé le piment, c'est comme s'il avait renversé, comme s'il avait trop chaud. Je ne sais pas. Mais quand on demande à Dieu, ça se réalise. Et puis, l'autre leçon, c'est vraiment écouter les intuitions. Quand tu as vraiment envie de prier, il faut prier. Quand tu sens l'envie, même si on est fainéante comme moi, il faut le faire. Je pense que, je ne sais pas s'il était venu faire des trucs chez moi, mais il a été servi. Voilà l'histoire. Waouh, il faut vraiment prier. Il faut vraiment prier. Bien, nous allons écouter un autre témoignage, une histoire du commun. J'ai partagé une histoire qui est arrivée à un frangin. Célibataire à la queue facile. Alors lui, il allait faire une transaction à la banque et voilà, on ne cite pas, si on respecte les consignes, on ne cite pas le nom de la banque. Et durant la transaction, il a rencontré une fille très jolie qui faisait aussi sa transaction. Très rapidement, il a changé de numéro de téléphone et lorsqu'il est rentré, il s'est mis à écrire avec la fille. Alors, pour impressionner la fille, il a invité la fille dans son bureau. La rencontre s'est passée, disons, peut-être vers 12 heures comme ça. Il invite la fille dans son bureau vers 15 heures. Elle arrive, elle se rend bien compte qu'il a un grand bureau, que c'est un boss, comme on dit ici. Mais il fait flasher la fille, et après quoi, il invite la fille à manger du poisson. Tout se passe bien, sauf que, après avoir suffisamment impressionné la fille, il invite la fille à aller chez lui. Ils vont ensemble. Et il commence à faire des choses qui ne sont pas... Voilà. Mais la fille lui dit non. Tout ce que, s'il te plaît, utilise tes doigts. Juste avec tes doigts. Il prend les doigts, il fait la fille, elle gémit. Et la fille essaie de le toucher, il lui dit. Le matin, utilise tes doigts. Elle rentre chez elle, elle revient le lendemain, ainsi de suite. Pendant peut-être un mois. Un jour, il se tourne vers la fille, lui dit, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce que tous les jours, c'est des doigts, tu crois sur quoi? Je suis le poteau, quoi. Et la fille lui dit, commence à sourire avec lui, en lui regardant dans les yeux. Le touche et utilise, fait comme d'habitude, et le pince au bout du sexe, et il se sent faible subitement, il perd toutes les forces. Il reste comme ça, comme s'il avait été hypnotisé. Et voilà, elle le regarde, elle ouvre les pieds, elle lui dit, s'il te plaît, viens, allons entrer, j'ai envie de toi maintenant. Il ne peut pas bouger. S'il te plaît, viens, il ne peut pas bouger. Elle se quitte et part. Et je crois, le gars, il n'arrive même pas à raconter l'histoire à quelqu'un parce que il ne savait pas comment commencer pour raconter toutes ces conneries qu'il a eu à faire parce que voilà, tu rencontres une fille, tu la connais pas, tu l'amènes chez toi et puis elle a même une clé de chez toi, et ainsi de suite. Il va vers la fille lui donne les ultimatums. D'ailleurs, elle commence à lui dresser la liste des choses dont elle a besoin. Alors, comme le gars était égaré, il s'est souvenu quand même que il y a un Dieu qui existait. Et là, il a fait ce qu'il fallait faire, il est rentré en lui, il s'est humilié. Pendant 7 jours, il n'est pas sorti,
Il expliquait à son patron qu'il prenait, il voulait prendre 7 jours sur son congé, ce que son patron a bien sûr autorisé. Il est resté chez lui, plié, ne pas sortir du tout, hein. Plié. Au 3e jour, il est en train de prier et la fille entre. Il entend comment elle ouvre la porte, toi, elle entre tout brusquement. Elle lui demande, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu te prends pour qui? Il restait calme, il ne prend pas peur. Il dit que subitement, il a eu une espèce de force qui est revenue en lui, demande à la fille, au juste, qui es-tu? Elle lui répond que je suis ton pire cauchemar. C'est moi que tu veux provoquer, tu vas me voir. Elle tourne la porte et frappe. Bah. Il veut continuer à prier, le courant part. Il veut prendre peur, il dit, mais si je suis arrivé jusqu'à l'inquiéter, ça veut dire qu'elle est vulnérable. Il renforce la prière. Le courant ne vient pas. Après, il sent les bruits dans la maison. Il sent les bruits, il sent les cris. Il sent le chat. Il sent les bruits des animaux bizarres. Il sent comme si des souris bougent. Il monte sur son lit et rien. Il décide de prier fortement. Il dit qu'il a prié ce jour. Il a oublié que le temps passait. Même quand la lumière est venue, il n'a pas vu la lumière. Quand il a ouvert les yeux, c'était le jour. C'était le jour. Et puis, il s'est mis à prier, il s'est endormi. Il s'est réveillé, il s'est réendormi. Et quand il se réendort, directement, il voit comment la fille est en train de se transformer. Elle est dans le rêve, elle est en jour, en journée, pas en nuit. Dans son rêve, elle est serpent, elle est homme en même temps. Et elle tourne. Et elle lui dit que je t'aimais bien, je voulais pas te faire du mal, mais tu m'as provoqué. Et elle tourne et puis subitement le feu commence. Elle crie, waouh, c'est quoi ça? Le feu commence à brûler sur elle. Il dit que dans le rêve, il réalise, étant dans le rêve, de façon consciente, il lui dit, ah, tu brûles. Mais il réalise que consciemment, il demande à la fille, mais tout à l'heure, tu es venu chez moi. Pourtant, tu avais l'opportunité de me demander pardon. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Agenouille-toi et humilie-toi devant mon Seigneur. La fille dit que je ne sais pas comment on fait ça. Il dit, va et apprends à le faire. Si tu ne veux pas le faire, tu vas brûler entièrement. Il dit qu'il s'est réveillé. Et lorsqu'il sort, maintenant de sa chambre pour le salon, il trouve un gros serpent qui est allongé, mort. Gros serpent. Il dit que il a fait chemin retour. Il a pris son râteau. Il a coincé la tête du serpent avec le râteau. Il a pris la matière pour commencer à découper les parties. Et puis il a réuni le serpent dans une marmite qu'il ne voulait plus utiliser. Il a attaché la marmite sur les bords et les cordes sur les bords. Il a mis la marmite au feu. Et il avait versé l'huile dedans. Il a fait frire le serpent, il a fait brûler le serpent dans la marmite. Quand il a laissé refroidir, il a ouvert, c'était tout est noir. Il a ajouté maintenant le carburant, il a brûlé le serpent. Et les cendres, il a creusé, on trouvait la poubelle, il a versé là-bas. Jeté la marmite aussi. Alors, le lendemain, la fille lui envoie le message,
S'il te plaît, je ne vais pas bien. Je veux savoir comment faire pour prier. Et il lui envoie le numéro d'un des frères. Il lui dit, contacte plutôt ce frère. Moi, je ne peux pas t'aider. Et le troisième jour, alors on vient l'appeler. On lui dit que voici les documents qu'on a trouvés chez telle fille, parmi lesquels il y avait un livre qu'il avait remis à cette fille, le Comment se faire des amis, de Dale Carnegie. Elle avait vu ça chez lui, elle a pris. Et il avait son nom dessus. Comme d'habitude, il écrivait son nom et son numéro de téléphone. Et on lui dit, voilà le livre qu'on a trouvé, qui porte ton nom et ton numéro de téléphone. Et voici une lettre qu'elle a déposée. Il demande, et où est la fille? Elle est décédée. Elle est tout simplement décédée. À quelle heure est-elle décédée? Il y a un jour. Donc, quand il reçoit le message de la fille, aide-moi, c'est pratiquement la même heure qu'elle est décédée. La moralité dans l'histoire, c'est que nous, les jeunes, par moments, on se croit très, très fort. On va partout. On rencontre des filles, on a l'impression qu'on est beau. La valeur ajoutée, on ne sait pas pourquoi. On peut mener une vie beaucoup plus responsable. Si on a besoin d'une femme, qu'on apprenne à la connaître, on va voir ses parents. C'est beaucoup encore plus responsable. Si on a besoin de faire l'amour, on fera l'amour avec elle toute une vie. Et l'amour positif qui donnera des enfants. Alors, on n'a pas besoin de rencontrer des filles aujourd'hui avec le dehors qui est très mauvais. Et prétendre faire ce qu'on veut sans savoir quel genre d'argent ces filles touchent. Ou bien quelles sont les alliances qu'elles ont. Ou qui sont ces filles encore plus. Donc, gare à tous ces gars. Faites gaffe, les gars. Merci beaucoup. Infiniment merci, Sarah. C'est le plus grand conseil de la journée. Hein? C'est un truc hors du commun. Moi-même, quand je suis sorti tout à l'heure, j'ai vu au moins 10 filles comme ça qui étaient positionnées devant moi. Et l'Esprit de Dieu pouvait me révéler que ces filles-là ne sont pas là pour rien. Elles sont en mission. Elles cherchent à me détruire, à détruire quelqu'un comme moi, le Fils de Dieu, le Fils de Jésus sur la terre. Impossible. Mais Dieu est grand. Il les a tout simplement invités. Ne draguez jamais une fille que vous voyez dehors. Je répète, ne draguez jamais une fille que vous voyez dehors. Prenez le temps de connaître les gens en tant que connaissance ou en tant qu'ami ou bien en tant qu'une simple personne pour savoir qui ces gens-là sont d'abord dans leur état d'âme avant de passer à un autre niveau. Sinon, vous allez draguer un jour le diable. Et dès que vous faites entrer l'une de ces filles sans chez vous, ne soyez pas étonné que la nuit quand vous allez vous endormir, vous allez voir qu'il y a un serpent couché à côté de vous. Parce que oui, elles sont des serpents aussi. Elles sont dans son macafa et beaucoup de choses. Et même à des dragons à sept têtes. Maintenant, vous savez. Ha! Soyez prudents. Bien, nous allons écouter encore nos témoignages extraordinaires. C'est parti. C'est une affaire de sorcellerie. La mère sorcière, comme d'habitude. En fait, c'est une dame. Elle est veuve. Elle a eu plusieurs enfants, dont un garçon qui a vraiment bien réussi dans la vie. Et ça se passe en Côte d'Ivoire. Et le monsieur il est marié à une Gabonaise. La chance qu'ils ont, c'est que c'est un couple qui prie beaucoup. Ils ont plusieurs enfants. Ils prient beaucoup. Et, en tout cas, ils donnent une très bonne éducation à leurs enfants. Par contre, le monsieur, lui, ses soeurs, ce n'est pas des femmes qui ont vraiment réussi dans la vie. Dont une de ses petites soeurs qui a eu à faire un enfant très tôt. Et la petite qu'elle a eue, je vais l'appeler Aou. Aou vivait avec sa grand-mère, c'est-à-dire la maman de sa maman. Donc à un moment donné, la grand-mère appelle son fils qui a bien réussi, que je vais appeler Eric.
Ma grand-mère m'appelle Eric parce que par rapport à sa fonction, parce qu'il est un grand responsable, normalement, lui, il vit à l'intérieur du pays et la femme et les enfants, sa femme et les enfants vivent à Abidjan. Parce que sa femme travaille à Abidjan. Donc, lui, il a une très grande maison de fonction là où on l'a affecté dans le nord du pays. Donc, sa maman l'appelle pour lui dire, ah, j'ai vraiment besoin que tu prennes ta petite nièce avec toi pour l'éduquer parce que moi, je suis vieille, je suis au village ici. La fille commence à grandir, elle cherche garçon. Quand je lui parle, elle ne veut pas. Pourtant, la maman de la petite, elle est là, hein, mais c'est le fils, elle appelle, la maman appelle son fils pour lui dire qu'elle avait besoin d'aide pour qu'il la soutienne dans l'éducation de sa petite fille. Le fils, il a refusé catégoriquement. Il a plusieurs, pendant 6 mois, sa maman l'a bassiné, mais il a refusé. Donc, qu'est-ce que sa maman fait? La maman, elle se tourne vers la femme de son fils, sa belle-fille, et elle va lui dire, ah, tu sais, j'aime la rigueur avec laquelle tu éduques tes enfants. Ma petite fille, elle est là. J'ai peur qu'elle devienne autre chose dans ma main. Est-ce que tu peux la prendre pour l'éduquer et tout? Sa belle-fille, elle est là. Elle hésite. Bon, après, elle appelle son mari. Et puis, elle lui dit, ah, voilà ce que ta maman vient me demander. Son mari dit, mais moi, j'ai déjà dit non à ma maman. Et la femme lui dit, mais toi, tu as dit non à ta maman. Bon, c'est ta maman, mais moi, je suis la belle-fille. Si je lui dis non, est-ce que ça ne va pas gâcher nos relations et tout? Pendant encore plus de 6 mois, la belle-mère était derrière sa belle-fille. Non, il faut la prendre. Donc au final, sa belle-fille a cédé. Elle a pris Aou avec elle. Mais après, elle dit à son mari, bon, la maison, c'est qu'elle est, mais il y a déjà beaucoup d'enfants. Vu que toi, tu es dans le nord, tu es dans une grande villa avec le personnel, est-ce que tu ne peux pas prendre ta petite nièce avec toi là-bas et tout? Donc, ils se sont entendus et c'est comme ça qu'ils ont procédé. Et du coup, Aou, elle est partie voir son oncle, elle était son oncle Eric, avec le personnel de maison. On essaie de lui faire des coups de remise à niveau et tout. Et pendant les vacances scolaires, tout le monde revient à Abidjan, puisque Eric, sa famille est à Abidjan, il revient avec Aou à Abidjan. Et ils reçoivent aussi des neveux et nièces. Du coup, il y avait beaucoup d'enfants à la maison. Et la femme dit à son mari, ah, tu sais que le dehors, il n'est pas bon. C'est comme ça aussi, l'intérieur est dangereux. Comme on a beaucoup d'enfants ici, est-ce qu'on ne peut pas faire des séances de prière, au moins 3 jours de prière avec notre groupe de prière, pour pouvoir un peu avoir un aperçu de tout ce qui est dans la maison. Donc, c'est comme ça qu'ils convoquent le groupe de prière. Le groupe de prière vient, tous les enfants sont mis à contribution. Tout le monde est en train de prier. Et au moins tout le monde prie un coucou. Ah, où tombe? On la réveille. Après, on dirait qu'elle est morte. Les gens prient. Ils prient, puis elle se réveille. Donc, on commence à l'interroger. Qu'est-ce que tu as? Non, voilà, c'est le gens du village, et ceci, c'est cela. Donc, qu'est-ce que Eric fait? Il appelle sa maman, il lui dit, maman, il faut que tu viennes. La maman quitte au village, elle vient, il dit, voilà ta petite fille qui est là. Je ne sais pas ce qu'elle a, mais apparemment, notre groupe de prière, si bien que cette fille est sorcière, on lui a demandé, bon, elle dit quelque chose, mais elle ne parle vraiment pas sérieusement. Donc, pour ça que tu la ramènes avec toi au village, comme on a un prêtre au village là-bas, il va peut-être lui arracher des aveux. Donc, la maman va avec la petite fille au village. Elle après, le prêtre lui fait ce qu'il peut. Il dit à la grand-mère que ah, ta petite fille là, elle ne veut pas vraiment parler, c'est sûr qu'elle est dans la sorcellerie, mais je ne suis pas convaincue des aveux qu'elle fait. Pendant ce temps, Eric lui cherche, et c'est sur le net, il va trouver un monsieur qui est spécialiste de la sorcellerie chez nous en Côte d'Ivoire, à l'intérieur du pays. Donc il ramasse toute sa famille, ses soeurs, sa maman, sa femme, les enfants, tout le monde dans le camp de prière là-bas. Mais quand ils arrivent dans le camp de prière, le serviteur, il dit, effectivement, la petite, elle est dans la sorcellerie. Donc, il commence à l'interroger et il lui dit, bon, qui t'a initié? La petite, elle est là, j'y vais. Elle dit tel, il dit non, tu mens. Elle dit tel, il dit non, tu mens. Et il a insisté, puis il lui a dit, mais c'est ta grand-mère qui est devant, là, la mère de ta maman, qui t'a initié. Devant tout le monde, le jeune, la mère au début, elle ne savait pas qu'on allait la désigner.
Donc elle disait à sa petite fille, il faut parler. Vraiment, les enfants de maintenant là, ils sont dans la sorcellerie. Alors que c'est elle-même qui a initié sa petite fille. Tu vois un peu la duplicité du sorcier. Et maintenant, dans les aveux, la petite va, quand la femme va expliquer par comment sa belle-mère a procédé pour venir déposer la petite chez elle, parce qu'elle a, elle a initié la petite à la sorcellerie depuis le très bas âge. Et le but, c'était quoi? Si la petite fille va chez son oncle, vu que la femme n'est pas là-bas, il n'est qu'avec les travailleurs. Alors que les travailleurs, ils habitent dans les maisons indépendantes, les indépendantes là, qui sont dans la cour et dans la grande maison, elle ne vit qu'avec son oncle. Donc, ce qu'elle devait faire, c'est-à-dire que quand le monsieur vient, elle fait à manger et puis elle met une poudre de sorcellerie dedans. Et du coup, quand l'oncle va manger, la nuit, elle va venir coucher avec, c'est-à-dire elle va le séduire. Et quand il va coucher avec elle. Ça fait, c'est de l'inceste. Mais malheureusement pour elle, quand le monsieur, il mange, à chaque fois il prie. Et comme il prie, ça déjoue le poison qu'elle a mis dedans. Peut-être que le gars n'a pas pu abuser d'elle. Je ne sais pas si tu te rends compte. Un homme comme ça qui va abuser de sa nièce, et puis quand elle va tomber enceinte, parce que c'est ça le but. Qu'est-ce qu'il va dire et puis quelqu'un va croire? Alors que c'est un haut cadre de la nation qui devient un abuseur de sa propre nièce, ça fait inceste. Donc en fait, c'était pour détruire le monsieur. Mais heureusement que ce couple-là prie. Et c'est comme ça, la petite fille, elle a été découverte avec la... C'est la maman qui a envoyé sa petite fille en mission pour détruire la vie de son fils. Après avoir détruit les autres, en temps, c'est vrai que la fille n'a pas pu abuser de son oncle, mais elle a détruit financièrement, elle avait commencé. Elle a même initié un enfant dans la maison. Donc tout ça, ça a été découvert. Une petite parenthèse, il y a une fois aussi dans des aveux, il y a une petite fille de 9 ans qui s'est fait violer par un Naoussa. C'est pas si tu vois les Naoussa, si tu gardes les bœufs là. C'est des gens qui ne portent pas de caleçon. Donc tu imagines en fait le bazooka qui est en bas. La petite fille de 9 ans dans la sorcellerie, elle allait se faire violer par ce gars là. Et c'est quand le monsieur était en prison et quand elle est passée, vous avez pour dire que non, elle allait se faire violer pour que son père puisse dépenser à l'hôpital. Je sais pas, la sorcellerie qui est là. Ça dit, si on t'a expliqué que t'as compris, c'est qu'on t'a pas bien expliqué. Et la seule chose qui peut nous en prévenir, c'est la prière. Vous avez vu, si le monsieur ne priait pas sur la nourriture pour manger, sa nièce l'aurait envoûtée, il aurait couché avec elle, il aurait enceinté et puis devenu un paria de la société. Ça brisait son mariage, ça brisait sa carrière. C'est-à-dire que quand le sorcier ne peut pas te tuer physiquement, de manière insidieuse, il s'insinue dans ta vie et puis il détruit à petit feu. La confiance là, 100% là, ça n'existe plus. Parce que le risque zéro n'existe plus. Donc la seule chose qui peut nous en prémunir, comme je dis et je répète, c'est la prière. C'est pas qu'on veut faire de l'évangélisation, mais au moins, on fait de la prévention. Voilà, donc c'était ma première histoire. Là, Vous avez entendu tout ça? Que cela vous aide? Que cela vous aide à bien marcher dans cette vie, dans ce monde si noir et ténébreux. Comment les gens sont méchants, méfiez-vous. Après cette vidéo, je vais faire une autre vidéo. C'est une information que vous allez découvrir. Une fille est décédée. Mais de quoi? Ah, vous risquez d'être surpris par la réponse. À faire de faux amis. Celle qu'elle considérait comme sa meilleure amie est allée la livrer entre les mains du diable. Et elle est morte. Comment? Nous allons suivre cela dans la prochaine vidéo. Si vous voulez, bien sûr, abonnez-vous donc et soyez prêts.